J'avais envie de mourir hein, quand vous me voyez habillé comme ça. Bande de zombies misérables, homophobes. Bonjour les enfants, c'est papa. Non, grand, tu ne dois plus dire que bonjour les enfants, c'est papa. Tu dois dire bonjour mes cons, c'est maman. Waouh! On peut rester comme ça, on croit que tu es beau chercher le kaolo chez les vieilles ouates. Même si tu suces les pertes blanches, ça ne fait rien, c'est le schéma. Quand certains grands frères se mettent à fabriquer des petites bombes, ils ignorent que ces petites bombes-là pourront se retourner un jour contre eux. Parfois, quand on garde le silence, on dit non, on est trembleur, on est peureux et tout ce qui va avec. Voici des enfants courageux que vous demandez au pays. Écoutez. C'est quand on appelle au pays le mauvais bébé. Il a 19 ans. Quand nous avons commencé en 2016, qui est 19 ans, là, tu enlèves 3 ans. Ça fait donc peut-être que j'ai commencé. Les yeux comme vous voulez, c'est bien. C'est lui qui vient encore charger ça. Et j'adore ça. Et enfin, je voulais vous présenter mon fils adoptif, le petit bébé. J'aime beaucoup. Voilà l'héritier. Un mélange de gangsta, d'intelligence artistique et de plumbec. J'ai envie de mourir hein, quand vous me voyez habillé comme ça. Bande de zombies misérables, homophobes. Bonjour les enfants, c'est papa. Non, grand, tu dois plus dire que bonjour les enfants, c'est papa. Tu dois dire bonjour mes cons, c'est maman. Waouh, on peut rester comme ça, on croit que tu es beau chercher le kaolo chez les vieilles ouates. Même si tu suces les pertes blanches, ça ne fait rien, c'est le schéma. Peut-être que tu es là, nous sortis, t'as pas le commis out, t'avais un vieux PD ouate. Et le blanc de Yenga, le blanc de Basero. Grand frère, si tu ne dis pas tes vérités, non. J'étais le seul qui est respecté sur le métier ici là parce que tous les grands frères là vous pouvez vous péter. Mais vas-y, nous, toi, il te respecte, mais le respect est mort. Tu dis que tu fais partie de la résistance, que tu es le chef de la résistance, mais tu insultes les homophobes. Insultes les homophobes, c'est insulter là. Il n'y a pas les points d'ingé dans la rue. Ne sais pas si tu es arrivé en Benania et j'ai entré dans ton cerveau. Tu fais comme les matins sorciers au quartier là. Que toutes ces filles font aborder les rien, elles parlent de la vie. Les enfants courageux. Le combat de tous les artistes que tu as. Depuis que tu es arrivé en Benla, il y a les pop-corn dans ta tête. Bien, c'est parce que tu ne baisses pas, tu as entendu. Bien, c'est parce que c'est derrière toi qu'on baisse. Je te crois pas plus grand. Grand fait qu'il y a une ligne historique. Carré, coche avec O. Carré, coche avec O. Vasero, c'est le gonzomo. Tu me dis gonzomo. Parce que je ne veux pas citer le nom de la personne. Mais celui qui t'avait contacté pour les travaux là m'avait contacté pour les sécurités avec Dieu. Il fait gros cul et sa maman. Est-ce qu'il m'envoie les photos que même Vasero a fait mon petit frère? Il dit quoi? Qui veut que je sois la muse des marques là qui porte les couleurs en casier, qui a envoyé vers mon grand frère là. C'est pas, il veut pas citer son nom ici. C'est la dernière fois. Tu dis que si ton fils, oui, mais maintenant tu es un depso, tu fais alors comment pour m'accoucher? Tu supportes quoi comme ça? Donc, les influenceurs, là, ne vous comprenez pas, vous croyez que c'est la publicité de tout qu'on fait, mon frère. Même si tu es un milliard, vous dis une fois. Je ne verrai plus jamais dans mon livre pour me proposer les roues de chaîne. Mais check très mal un grand frère comme ça, vient afficher ici sur la colonne. Ripez-vous. L'argent ne peut jamais acheter les principes et les valeurs d'un boy. Et c'est pas comme si elle est douce, bien fort, une game, je suis fatigué même de la boucle. Avec celle qui vend le jazz, elle a chop même 5. C'est son fils. C'est moi, apporté plein, mais papa. Mais que c'est son fils. Ils sont malades dans le tête. Mon chop, c'est son fils. Ne plus jamais vendre son cul. Même si c'est pour les milliards. Personne entre, personne ne sort, à part les cascades. Donne même, c'est la bonne homophobe. Plein. Quand tu viens d'ailleurs insulter les homophobes, ça veut dire que même toi, même ton anus, là, n'est plus stable. Souillade. Ça veut dire combien que tu fasses ce genre de sortie. Parce que moi, il ne peut pas croire que toi, tu es un depso. Ça ferme seulement grand. Tu es le genre de personne que tu dors là où la nuit te trouve. Tu manges là où il y a la nourriture. Tu connais le Vasero, le grand frère courageux. Qui n'a même pas seulement commencé à Joss parce qu'il a vaincu, mais si on t'a arrêté. Ou bien on a fouetté tes noyaux aussi et tu as dit que je suis plus là. Tu fais maintenant la comédie, pourtant c'était pas ça au début. Tu ne peux plus jamais représenter la rue après ta vidéo. C'est oublié ça. Que ça sorte de ta tête. Quelqu'un qui porte les poulets en cassé, ne peut pas me parler grand frère. Même dans la rue, tu me parles avec la poulet en cassé, tu te basses d'abord. Dis même que tu es un répé. Tu es fou. Tu amènes quoi qui? Toi tu crois que c'est parce que non. Tu as mené le bon combat auparavant, tu vas venir maintenant avec un faux film comme ça, on va te suivre. Si au Cameroun tu fumes sur un banc, tu vas arriver là-bas avec le caillou maintenant que tu prends le crack, la méthamphétamine, tu prends tout. La marijuana, tu sniff même, je suis sûr, tu es plus normal. Certains devs vont venir me dire là que la sexualité des gens te dérange en quoi? C'est ça qui va arranger les problèmes des Camerounais. Petit cul, t'es fou. C'est un problème, c'est un gros problème. Même les frères qu'on est déjà à côté comme ça du trou, mais nous, ne nous poussez pas dans le trou. Le combat que ça avait ma dernière énergie, que pourquoi les petits là, ils vivent dessus, de tous les devs, c'est comme si nous même aussi les devs. Dites ce que vous voulez, on va jamais vous accepter ici. Zéro de la nature comme ça. Les devs là, si vous n'avez pas deux parents de sexe opposé, vous devez naître. Les devs là-bas sont bêtes. Vu qu'on t'a fouetté au sein de là, c'est comme si tu as pris goût, tu aimes quand tu connais, n'est-ce pas? Grand frère, j'espère que quand tu disais que tu m'aimes bien, c'est un amour propre, un amour fraternel. Hein? Que c'est pas genre tu guettes mon chien, ou les tapes les depso, ou les grands frères. Jusqu'à tu as même la gestion des depso. C'est quoi, grand? Tu as des lolo, tu vas arrêter quoi? Toi-même, tu as fait une vidéo sur moi. C'est parce que toi-même, tu as vu la rue dans moi. Tu as vu la vérité. Tu as vu que je ne fais pas les yeux les gens. Je n'ai jamais compté sur quelqu'un dans ma vie. Quand je monte sur le métal pour faire une vidéo, pour boum dans le bon, je ne comptais pas sur les déchets camerounais, parce que vous êtes tous des déchets ici. Vous connaissez seulement dire aux gens que tu ne parles pas de telle chose. Pourquoi tu ne défends pas le pays?
ne pas dire, vous insulte encore, Facebook va me bloquer. En tout cas, vous connaissez le personnage. On va passer un petit coucou à Junior Bombay. Il y a vu que tu me follow même. Mon petit, je ne sais pas pourquoi c'est quand on t'arrête que je vois maintenant tes vidéos. Et tes vidéos ne paient même pas. Je ne sais pas si tu as un problème perso avec le bombe dans le moment. Moi, tu n'as rien fait de mal. Mais, petit frère, j'espère que c'est ta propre initiative. Ce n'est pas les gars du MRC, les tontons et les tantines qui sont bien en Europe là, qui sont venus te pomper le cerveau sur WhatsApp et t'ont mis devant, tu croyais les siados. Sinon, tu m'as mis le tiers. Moi, on peut m'arrêter à tout moment, mon petit. Mais seulement pour mon petit genre. Ouh, soit tu fais la vidéo chaque dès pour dénoncer. Tu connais pas que tu es dans ton pays, en fait, t'es kidnappé à tout moment. Moi, je dors plus bien depuis qu'elle a fait la vidéo sur le bombe là. Je suis toujours en train de guetter à ma fenêtre comme ça. Dès que je vois un Prado noir ou bien une voiture noire, petit frère, je. Libérez le petit frère là, il y a quoi avec vous? Donc, vous n'avez peur honteux. Et ce qui m'énerve même dans tout ça, c'est les Camerounais. Il a dit, tous les Camerounais, c'est des depso. Il y en a même qui a la couleur arc-en-ciel sur le Wissi. En regardant Valsenou, on voit qu'on a presque les mêmes couleurs. Ça veut dire que même les lions, si nous sommes des depso, bientôt on va légaliser ça. Ce qui m'énerve même avec l'histoire du petit frère, si c'est les mêmes qui étaient en train d'écrire que petit frère, lui, tu es sur la bonne voie, qui sont en train de le laver maintenant. Et ceux qui n'avaient même pas le temps de ces vidéos, ils ont le temps maintenant de se moquer de lui. Vous voyez que Camerounais ne mérite même pas d'être sauvé. Un pays là où tout le monde est bipolaire, tout le monde est gâté. Même après la vidéo, c'est sûr encore en danger. Donc encore maintenant, doubler la vigilance. Il fuit très mal. Quand il voit une voiture noire, oh, il peut rattraper ses problèmes. Il a la fusée dans les pieds de temps. Il a la pardonne moi. Petit frère, choque ton gâteau. Tu es un boy. Le vrai boy, c'est celui qui fait ses way. Il assume. Mais fais tout et tout pour qu'on ne te concasse pas le dernier, mon petit. C'est très important. C'est là-bas aujourd'hui que moi, il dénonce. Il est dénoncé, il n'avait même pas 15 ans. Bah, c'est vous voir les enfants courageux. Hein. Que vous demandez au pays. Voilà un enfant que tu as appelé toi-même ton fils. Tu vois comment quand un fils se révolte contre son père, tu vois ce que ça donne. C'est quand il avait présenté cette vidéo, certains comme il vient soit en commentaire dire n'insulte plus Valsero, ne parle plus mal de Valsero. Les gars, je ne sais pas si a sorti de ma bouche ce genre de propos que vous venez d'écouter. Moi, je donne juste mon opinion, mon point de vue par rapport à certaines sorties de Valsero, très loin de la politique, bien sûr, parce que je n'ai jamais, je dis jamais, critiqué la prise de position, le choix politique de Valsero. Voilà, c'est vrai, souvent j'ai dit, il ne suffit pas de se placer juste là, devant la caméra, mais d'aller sur le terrain. Là, c'est juste une remarque. Mais voilà un petit. Je ne sais pas d'où ces enfants s'y prennent le courage de nos jours, c'est comme ça. En tout cas, ce sont les grands frères comme vous-même, Valsero, qui fabriquent ces petits. Quand vous parlez, vous écoutez, non, ils suivent votre exemple. Les malheurs, ça c'est l'image atypique, donc atypique, pardon, autant pour moi. Ça c'est l'image nette même. De Malox, ce petit, donc ça c'est Malox Junior. Oui, quand tu suis le petit parler, donc tu vois l'énergie que le petit dégage, c'est net Malox. Ce sont les grands frères. Bon, on dit souvent, ce n'est pas interdit de suivre le bon exemple, non. Bon, pour eux, c'est le bon exemple à suivre. Bon, je ne sais pas pour vous. Et les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport à cette sortie de mauvais bébé, laissez un peu en commentaire. Voilà, merci pour tous ceux qui me suivent. Merci de vous abonner à ma page, à ma chaîne. C'était le Général Franco. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ne plus rater mes vidéos. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques. Un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.